Ok les gens, content de vous retrouver pour une nouvelle série sur du The Long Dark. On va refaire de l'Interlooper. Je me suis pas trop mal débrouillé la dernière fois, mais je suis mort vraiment de façon trop bête, hors vidéo d'ailleurs, en coupant des palettes. Et je suis mort de froid, c'est pas grave, j'ai envie de recommencer. On va retourner faire de l'intrus. Pour ça, refaire nouvelle, intrus, valider. Valider, est-ce qu'on prend des... Non, je pense que on va rien prendre en... Hop. On va rien prendre en bonus. Et on va voir où est-ce qu'on atterrit. J'espère pas le muskeg, franchement. Je l'avais déjà fait la dernière fois. Maintenant, c'est pas un mauvais spot de départ. Je suis où? Je pense que je suis au site de désolation, ouais, ce qui est pas forcément un mauvais spot, mais ce qui est pas forcément... non, c'est pas un mauvais spot, très franchement. On va essayer de monter ici et de trouver des allumettes. Ok, il y a des loups là-bas, ouais, normal, peut-être plutôt des cerfs même. Ici, je sais qu'on peut monter par là. Il y a un loup là. Il y a un loup là. Il va vraiment falloir que... Il nous voit pas. Parce que là, si je prends un loup maintenant, ça va être compliqué. Alors, on va essayer de se cacher. Ok, il repart dans l'autre direction. Il y a moyen de monter ici, d'être tranquille. Il revient vers nous ou pas? Non, il va de là-bas. Donc ok, c'est pas mal. On est plutôt pas mal pour le démarrage. On va monter là et on va aller au phare. Franchement, j'ai de la chance sur ce spot de départ, très franchement. Ça pourrait être bien pire. Allez, go. Je suis content de ne pas être au muskeg parce que j'avais pas envie de refaire la même aventure. Là ça va être un peu un challenge quand même pour moi. Le site de désolation c'est pas le plus compliqué mais... Et encore une fois c'est les allumettes. Est-ce que je vais avoir des allumettes au phare? J'en suis pas convaincu. Par contre il y a le Riken éventuellement. J'ai peut-être des chances d'en trouver dans le Riken ou à l'église. Enfin bref, pour ça on va bien voir. Allez go! Allez, c'est la première vidéo, je vais vous mettre un peu plus de contenu. J'ai l'impression qu'il y a un cadavre ici. Yes, il y a un cadavre. Ok, pour l'instant, on va prendre quelques pierres. Normalement, on va pouvoir remonter là. Petite plume, ok. Alors, quand on a goûté l'intrus, franchement, on n'a plus envie de jouer trop dans les autres difficultés. Personnellement c'est mon cas. Allez, quelques pierres, ça peut être pas mal. Je crois qu'il y a des tisanes ici. J'en profite pendant que j'ai pas trop froid. On va juste mettre l'écharpe qu'on a trouvé. Après tout ça fera toujours ça plus. Hop, j'aurais pas de quoi faire une tisane complète. Non, allez, et en espérant trouver des allumettes assez facilement. Ok, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas froid là-dedans. Est-ce que je vais trouver des allumettes? De l'huile de cuisson. Et je n'ai pas souvenir d'avoir trouvé des allumettes ici, en fait, un jour. Mais peut-être que ça va me faire mentir. En vrai, je ne sais pas trop où trouver des allumettes sur cette map. Peut-être au jardin secret de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, de Cathy. Je crois que c'est ça. En tout cas, j'ai pas froid. Déjà, c'est une bonne chose. Allez, là c'est bon, on fouille tout ça. Donc là j'aimerais valider les 500 jours. Je ne l'ai jamais fait sur aucune aventure d'ailleurs, parce que j'ai tendance à m'ennuyer. Alors est-ce qu'il y a des allumettes ici? Ou un petit fire steel, ou aussi un petit, une petite flare. J'ai récupéré un stimulant, mais c'est pas ce qui me préoccupait pour l'instant. Bon, ceci dit, on va pas trop cracher dans la soupe. Hein.
Là, est-ce qu'il y a des trucs? Est-ce que j'ai des allumettes par là? Honnêtement, j'ai pas souvenir d'avoir eu des allumettes par là. Une petite bombe. Allez, je continue. Je continue. Je continue. Un bouquin, ça c'est pas mal pour starter les feux au début. On va fouiller le casier. Les allumettes, peut-être à l'église il y aura des allumettes, mais encore faut-il y arriver. Encore un cuir, ok. Ok, ici, peut-être un fire steel. Non. Pas de fire steel ici. Un bouquin. Et ça, c'est ok. Ah, ça c'est pas mal. Alors, on va regarder d'ici si je vois quelque chose. Dans l'idéal, ce serait de aller à gauche, longer la côte, aller au jardin, redescendre, aller à l'église peut-être. Où est-ce que je vois Riken directement? Le Riken, je pense pas que je vais voir grand chose. Je vais essayer d'aller au jardin de Kate. De Cathy ou Kate, je sais plus, hop, on s'en fiche, vous voyez où je veux dire. Je crois que dans le sac à dos là-bas, je peux trouver des allumettes. Allez, j'essaie d'y aller sans encombre, ce qui va pas être une mince affaire. Après, je sais où il loue. Normalement, il n'y en a pas trop après. Allez, go. Par contre, ce qui est problématique, c'est le froid, comme d'habitude. Ce jeu est hyper exigeant, je suis un peu bête, j'étais vraiment bien parti là. Après, il peut y en avoir dans les voitures. Est-ce qu'il peut y en avoir dans la grotte qui remonte? Je sais pas. Le loup est là-bas, ok. On va essayer de faire en sorte qu'il ne nous voit pas. Allez, je passe par là. En règle générale, il y en a un ou deux, ils sont aussi vers la route là-bas. Mais par là, je devrais pas trop en avoir. On va voir, c'est pas une science exacte. Donc, on va essayer de pas trop faire l'andouille. Vraiment, ça qu'il nous faut soit une flare, mais c'est pas l'idéal. Mais c'est mieux que rien. Soit des allumettes. Allez, j'arrive pas loin. Prendre une pierre. Non, faut que je prenne des petits bâtons pour starter un feu si jamais je trouve les allumettes. Il y a un lapin, on va le laisser tranquille pour l'instant, de toute façon. Ok. Alors, est-ce que j'ai la chance d'avoir une bête d'allumettes ici? Non. En tout cas, pas visible. On va prendre ça quand même. Elle est peut-être là-dedans. Non. Ok. Pas d'allumette ici. J'ai par contre un boulot, une bardane. Est-ce que plus loin j'ai quelque chose? Un érable. Ok. J'ai des choses intéressantes. Alors ma question c'est mince, j'aurais dû faire autrement, c'est pas grave. Hop, c'est un start, hein. Ça se trouve je vais le refaire parce qu'on va mourir, c'est pas grave. Est-ce que là j'ai quelque chose? Je pense pas. Ok, là j'ai rien. Très bien, je prends quelques petits bâtons, je vais aller vite fait dans la grotte là-haut. Je vais regarder ça. J'ai eu des oiseaux. Là, normalement, des fois, il y a un loup qui traîne. Alors, on va faire attention. Je remonte à gauche avec la voiture. Il y a peut-être des chances de trouver une boîte d'allumettes. Sinon, il y a la grotte, mais je vais rien voir dedans. Je vais passer par là. Il y a moins de risques par là.
Allez, ici il y a quoi? Rien. Il peut y avoir une boîte d'allumettes dans la boîte à gants. Rien. Ok. Ok, rien pour l'instant. C'est pas grave. Je vais aller à l'église en me méfiant parce que il y a souvent un loup qui traîne. Ouais, je vais essayer d'aller à l'église. Il peut y avoir éventuellement des allumettes. Je vais prendre ça. Ok, hop. Là, est-ce qu'il y a un loup qui nous attend? C'est surtout ça. On va voir ça. Bon. Je vais quand même aller voir à la grotte en bas là. Si des fois je trouve une boîte d'allumettes juste au début. Allez, go. Par là, des fois, il peut y en avoir une. A priori, ça sera pas le cas, mais... D'accord, il n'y a pas de boîte d'allumettes ici. J'ai froid, donc ok. Charbon, mais on verra plus tard. Et j'ai pas assez chaud là-dedans pour rester ici. C'est un petit peu tendu là. Je connais pas assez. Si, je sais. Là, je suis pas sûr. Est-ce que dans la baleinerie là, il y a moyen ou pas? Je sais pas. Je suis pas sûr. Je vais y aller doucement pour me faire spotter par un loup. Il y a des lapins. Souvent il y a un loup, il y a des tisanes, il y a tout ce qu'il faut ici. Lapin aussi là-bas. Ok. Est-ce qu'il y a une boîte d'allumettes quelque part ici? Je suis pas sûr. Non. Peut-être sur le gars. Et ce sera aléatoire. Des fois il y a là-dedans. Non. Ok. Et ben c'est pas grave. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? C'est de passer par le haut pour essayer d'éviter les loups qui peuvent traîner en bas. D'abord, ok. J'essaie de passer par là et d'aller jusqu'à la baleinerie. Espérons que ça le fasse. Il y a le Riken aussi. J'avoue que les allumettes garanties ici je connais pas. C'est pas grave, ça permet d'apprendre. Si on meurt, on meurt, hein, c'est pas dramatique. C'est pas comme si on était au jour 330 ou plutôt 230. Il fait presque la moitié. Bon, ceci dit, c'est mieux que ça arrive au jour 230 qu'au jour 497 ou 18 ou 19. Là, des fois, il y a un truc ici.
câble. Est-ce qu'ici j'aurai une boîte d'allumettes? Non. Souvenir et conseil, ok. Ça se trouve, il y en a dans la grotte, mais il y a le loup. Donc si j'y vais. Vous voyez ce que je veux dire. Allez, go le Riken. J'ai jamais trouvé de boîte d'allumettes pour moi au Riken. Donc je vois pas trop. Par contre, il y en a certainement au niveau de la baleinerie. Quand il y a pas mal de loups, mais une torche, c'est plutôt cool si t'avais une boîte d'allumettes sur toi. Non? Le jeu a décidé de. Bon, ceci dit, je suis plutôt content. Le Riken, est-ce que j'ai déjà vu des allumettes? C'est ma question. Maintenant, on est à côté, mais on va pas voir grand chose. Donc, je sais pas trop. Allez, on va voir. Parce que c'est qu'on va rien voir là-dedans. En tout cas, les parties intéressantes, on risque de rien voir. Mais bon, on a un container si j'ai de la chance. Un jerrycan, ok. Je sais pas si vous voyez grand chose, moi je vois que dalle. Je trouve sa pharmacie. Je pense que j'aurais plutôt fait. Je sais pas. Pas facile de savoir. Est-ce que par là. Vers la forge. Forge, fourneau. Là par contre, il y a du charbon, je vais le prendre. Oui, je suis en hypothermie. Ok. Ouais. Ouais, ça va être compliqué là. Évidemment, ça va devenir compliqué si je trouve pas d'allumettes. Et je ne trouve pas d'allumette. Bon, bah je file à la baleinerie parce que de toute façon je vois rien là-dedans. Et peut-être que. Peut-être. Il va falloir que ça le fasse. Si je vais arriver à survivre. Allez, go. Là, il y a rarement d'allumettes. Il peut y avoir un sac à dos, je crois, là. Une bombe de peinture. J'arrive pas à allumer le feu avec une bombe de peinture, moi. Il faut faire attention. On va rentrer ici. Qu'est-ce qu'il y a? Là par contre je suis au-dessus. Donc ça c'est plutôt cool. Je suis au-dessus de zéro ici, donc pour dormir ce serait pas mal. Donc vous savez c'est le petit bug, hein. J'ai profité du petit bug. Voilà. Hop, là il n'y a rien, on est d'accord. Donc après vous ressortez, vous mettez debout et vous rentrez et vous avez le mobilhome tel qu'il est prévu. Du tissu, j'ai cru voir. Ouais. Bon, déjà je suis au-dessus de zéro. Quitter le mobilhome, non. Il n'y a pas. Le jeu ne veut pas que je gagne. Au-dessus de zéro ici, c'est quand même pas mal.
Ok, bon. Je vais aller de l'autre côté, voir si j'arrive à trouver quelque chose. J'ai pas tout visité. Ça, c'est vide. Il y a une boîte d'allumettes dans les caisses, des fois, il y en a. Décidément, il n'y a pas. Alors c'est pas là, les loups non plus peut-être. Ok, bon de toute façon, ça va être compliqué. Très franchement, j'ai un endroit où je pense pouvoir avoir des allumettes. Mais je sais pas trop où c'est pour moi. Je sens l'endroit peut-être garanti, mais je sais pas, c'était avant. Il faudrait une flare au moins. C'était ce bonhomme-là pour moi qui avait des allumettes. Normalement, il y avait une torche garantie. Des chips, ok. Ok. Bon, bah si ça s'arrange pas rapidement, c'est sûr, on va mourir. C'est sûr, on va mourir. Alors des fois sur les tables ici, il y a des allumettes. Mais là, ça va pas être le cas, je sens. Donc on commence à tituber. Je peux prendre mon... Ah, peut-être là-haut. Non, attendez, on va prendre le... Ça. Utiliser. Voilà. Déjà, ça nous a remis un peu de truc. Bon, je vois rien, mais... Ok, faut que ça se calme un peu. J'ai peut-être des chances là-haut de trouver une boîte d'allumettes. Je pense que je retarde légèrement ma mort, mais peut-être que oui. Dites-moi en commentaire comment vous auriez fait. J'ai cru voir une tasse à café, moi. Barre de céréales, c'est bien beau. Mais... Ça, voilà. Ça fait pas des allumettes, ça. Là, des fois, il y a un peu de trucs. Ok. Je vais voir si je trouve... où est-ce que ça pourrait être? Niveau de l'établi ou alors dans le coffre. Something's making me feel really tired. Expiré, ouais, donc là je suis complètement mort. Des fusibles, super. Qu'est-ce que... Oh, il y a une flare. Une flare, allez. Peut-être des chances si... Mais faut que je l'allume si je veux que ça marche. J'ai une chance sur rien. Alors, un accélérant. Alors, j'ai pas de petit bois, je le crois pas. Non, j'ai pas de petit bois. Je vais être mort avant. Non, je suis pas encore mort. Accélérons, faire du feu. Alors, hop. Je vais mettre tout le bois que j'ai. Comme ça.
Ok, maintenant, faut que j'aille dormir. Allez, faut que j'aille dormir une heure. Faut que je trouve un lit. Allez, dans l'état que je suis. Allez, monte, toi. Il est complètement bourré, le machin. Ça fait ça. Allez. 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 Dormir une heure. Franchement, si j'y arrive là, je redors une heure. Ensuite, faut que je descende faire un peu de flotte. Ok, faut que je descende faire un peu de flotte ici. Allez. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah, ça va être chaud. On noterait que je me serais battu jusqu'au bout. Allez. Ah, c'est chaud. Allez. Need a drink. J'ai une boîte de sardines. On va manger ça. Ça va me donner de la flotte. Je bois un café. Ok, ça a l'air de se calmer un petit peu. Bon, il faut que j'arrive à faire de l'eau. Eh ben mon vieux, si je m'en sors sur ce coup-là... Je sais que t'as envie de fermer les yeux, mais... Si tu fais pas d'eau, ça va pas le faire. Alors, qu'est-ce que je peux manger? Ok, bon, là on est bon. Au niveau feu, faut que je reste 24 heures, entendu? 24 heures d'affilée au-dessus de zéro. J'ai mis tout ce que j'avais. I'm too tired to think straight. Je bois. Je remets de l'eau. Et là maintenant, faut que j'aille me coucher. Ah, j'y arriverai pas. Torche. Allez, go. Essaye d'aller dormir. J'ai bu, j'ai mangé, j'ai chaud. Faut que je dorme. Il faut pas que je laisse crever mon feu. Allez. Voilà. Je vais dormir 3 heures. Allez, go. On va voir si ça passe. Ça devrait. Ça devrait remonter. Pour la simple et bonne raison, voilà. Alors maintenant, je suis là. Je vais boire, j'ai plus d'eau. Ok, maintenant que je suis en forme. Alors, par où je peux passer? J'avoue que c'était quand même hyper tendu. Là. Alors, faisons de l'eau. Hop. Très bien. Ensuite, est-ce que je peux péter quelque chose? Hop. Voilà. Ça doit être une heure. Ah, je suis encore fatigué, c'est chaud ça. Ah oui, c'est que... Oui, je comprends, ouais, j'aurais du mal à m'en sortir. Faut que je passe mon temps. Ouais, ça va être compliqué de s'en sortir très clairement. 24 heures au chaud. Ok, bon, on tente le défi. Je vais pas tout vous mettre. Je tente le défi d'y arriver. Si
S'il y a quelque chose qui pourrait me servir ici. Je tente le défi. Il faut que je fasse 1 litre, ok. Donc faut que je dorme, que je coupe un peu de bois sans trop me fatiguer. Ça va être très très compliqué et très très long. Ok, je pense que je vais pas y arriver, très franchement. Je suis paumé, je sais pas où. Il y a des planches, mais je sais pas où je suis. J'arrive pas à retrouver le feu. Une table en métal, je sais pas où je suis. Je suis perdu. J'aurais pas eu l'hypothermie. Ah, ça y est. Ok. Bon, de toute façon, c'est foutu. Je pense que c'est foutu. Je vais quand même jouer le coup jusqu'au bout. Je vais essayer de trouver un peu de bois. Non, il n'y en a pas. Si je trouve un ou deux morceaux de bois pour allonger le feu, des fois il y en a par là. Bon, ceci dit, je peux en refaire un feu. Oui, je peux en refaire un tant que j'ai le truc. Bon, je regarde un peu si je trouve des allumettes, mais j'y crois pas trop. Sinon, je pense que c'est mort. Il faut que je reste 24 heures au-dessus de zéro. Et en plus, faut que je me repose. Faut pas que je meure de faim, pas que je meure de soif. Donc, j'aime autant vous dire que ça va pas être simple. Alors. Là, ça c'est le bienvenu, ce machin-là. Le problème, c'est que dès que je pète du bois, dès que je pète du bois, je me fatigue. Et pourtant, alors, encore 12 heures. Ok, il faut que je trouve 12 heures de bois. Je trouve 12 heures de bois à manger, je pense que j'arriverai à le tenir le coup. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc là-dedans? Je vais regarder. 45. Par là, 45. 45, 35, par là, un truc comme ça. Allez. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Never would have thought to look here. Que dalle. La poudre à canon. Pas vraiment ce que je souhaitais. Et alors, attendez, si je veux survivre, il faut quand même que j'y mette du mien. Autant dire, faire un peu d'eau quand même. Voilà. Une batterie, je m'en fous un peu. L'établi, je m'en fous un peu. Écoutez, pendant que je tiens à peu près debout. Ça. Je m'en fous. Ça, je m'en fous. 1h30, ok. 1h30, on va essayer d'aller visiter les trucs là-haut. Est-ce qu'il y a des caisses ici? J'ai souvent de la bouffe ici, une barre de céréales qui traîne dans le temps, il y avait ça. Là, il n'y a pas. Là, j'ai visité tout, ok. Là où j'ai visité aussi, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui resterait à visiter? Pas de foutue boîte d'allumettes, ça c'est clair. Je fatigue, mais bon. Globalement ça va, 1h24 pour me faire de l'eau. 4 minutes, ok, 30 secondes, 30 minutes, en gros.
J'ai une torche. Là, j'ai rien. Là, j'ai rien. Ok. Là, j'ai rien non plus. Ouais, non. Ça va être compliqué, sincèrement. Pansement, pierre, de la bouffe, ok. Ça, j'avais déjà réussi à le faire. Là aussi. Là aussi. Allez, les heures sont comptées. Juste une boîte d'allumettes. Si je trouve une boîte d'allumettes, ceci dit, je suis pas mort. On est d'accord. Je suis pas encore mort. Je suis pas encore mort, mais c'est pas loin quand même. Allez, j'essaie de redescendre à mon feu. Bon, je sais pas où je suis passé, en fait je suis glitch. Mon bidon est là, mais je suis glitch derrière, donc je pense que c'est foutu. Eh ben écoutez, tant pis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer le temps. Juste. Pour que j'arrive à voir quelque chose. Est-ce que je peux manger, boire? Oui, on va tout consommer, hein, quitte à mourir. On aura repoussé la mort le plus possible. Je crains que ça ne suffise pas. C'est bien sûr, ça ne suffira pas puisque j'ai plus de quoi faire de feu et de rester en dessous des 12 degrés. Au-dessus des 12 degrés, je suis là. En fait, je suis coincé. Ouais, je sais pas comment j'ai fait mon compte. Ouais, donc je suis coincé ici, donc c'est foutu. Je ne sais pas par où je suis tombé, mais du coup. C'est un peu naze. C'est vraiment naze même. On ne peut pas ressortir d'ici. Voilà, bah vous aurez vu, j'aurais lutté jusqu'au bout le truc. Mais malheureusement, nous allons assister au décès en direct. On va passer le temps comme ça. Je vais mourir sans problème. Voilà. De toute façon, je peux pas sortir de là, donc c'est tout de suite vu. Et voilà. Bah les gens, j'espère que l'épisode vous aura plu quand même. On aura essayé un nouveau start en intrus. Dites-moi les erreurs que j'ai faites, ça m'intéresse vraiment, vraiment, vraiment. Dites-moi si vous avez des voilà, des allumettes garanties sur la carte, j'arrive pas à m'en rappeler, je sais pas, mais en tout cas, moi je me suis bien amusé quand même. On va retenter un start, mais ce sera dans le prochain épisode. Ciao.